C'est moi, Jasper. Bienvenue chez nous en traversant les mers. Pour changer d'air. J'espère qu'il vous écrit de l'autre bout de la terre. Aujourd'hui, je vous envoie un journal. C'est un peu comme une longue lettre que les gens lisent pour savoir ce qui se passe dans leur ville. Croyez-le ou non, aujourd'hui, ils ont pu lire le journal sans même tourner les pages. Tout a commencé ce matin. Emma et moi, on se baladait ici et là. Comme c'était dimanche, tout le monde faisait la grasse matinée. Il a failli casser ma canne à pêche. Quelle histoire! Je t'assure, c'était le plus grand poisson du monde. Jasper? Mais Jasper, où as-tu trouvé cette casquette? Je viens de la trouver par terre. Alors quelqu'un a dû la perdre. Oh, regarde, il y a Nicolas, le livreur de journaux. Elle doit être à lui. Allez, viens, on va la lui rendre. C'est très gentil de me rapporter ma casquette. Merci beaucoup. Allez, à plus. Je t'assure, un poisson grand comme ça. Oh, oh, hé, hé, hé. Jasper, Jasper. Oh, hé, ton journal, tu viens de le perdre. Le journal du matin. Oh là là. Oh. Nom d'une banquise, il perd tous ses journaux. Le journal. Il va être drôlement content quand je vais les lui rapporter. Ah, surprise. Oh non. Ah oh, bah mes journaux. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oh là là, Jasper. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait ton copain? Mais tu sais, Nicolas, Jasper, il voulait simplement te rendre service. Oui, il est gentil, je sais. Mais si les gens se font livrer le journal le matin, c'est pour le lire le matin. Alors comment faire maintenant? Oh. Oh, mais on va t'aider, à trois, on peut remettre tous les journaux en place. Foi de Jasper, on peut le faire. Oh, ce coup-ci, tout tombe à l'eau. Hé, Emma! Aide-moi, on a eu un accident! Ouh! Emma, Emma, reviens! Au secours! Hein? Mais c'est magique! Emma! 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 Mais qu'est-ce qui... Ahoy! Voici les dernières nouvelles, toutes fraîches de ce matin. Les parents qui avaient perdu leur fillette dans un grand magasin vendredi soir sont fous de joie. Les employés ont retrouvé la petite fille qui dormait à poing fermé au rayon des jouets. Et maintenant, la politique! Pour fêter son prochain anniversaire, le maire va ouvrir une toute nouvelle école primaire. Et pour finir, la grande nouvelle de la journée... Ce matin, dans le port, Jasper a pêché le plus grand poisson du monde. C'est ainsi que tous les habitants ont pris connaissance des nouvelles. Ils étaient très contents. Il leur suffisait d'ouvrir la fenêtre. C'était génial. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous lire tout le journal. Alors, je vous envoie un exemplaire Ahoy, c'est moi, Emma. Malheureusement, on a eu un autre accident. Jasper a perdu son crayon préféré et il le cherche partout. Il vous
vous embrasse et il vous écrira bientôt. Mais pour ça, il doit d'abord retrouver son crayon fétiche, ce qui prendra peut-être un petit peu de temps. Avec toute mon amitié, bisous glacés, votre Emma.